Bien ouvert là, bien ouvert là, bien ouvert là. On a l'air d'être ouvert sur le bas, si je fais des bêtises. Il est ouvert, il est ouvert, le gaz. J'essaie de le reboucher sur le bas. C'est le passoir. Oui, je n'ai pas cette poubelle. Donc j'ai essayé de reboucher sur le bas, histoire d'être tranquille. Parce que si elle lutte... Pas si elle lutte, pas si elle lutte, mais si elle... spawn. Bon donc je vous avouerai que je n'ai pas fait grand et pourtant je suis en mode facile quoi. C'est pas en mode j'ai pas confiance mais... donc apparemment un ici c'est une droite voilà. Je vais l'éclairer sur la fin. Déjà sur le bas quoi. C'est pas fini, il faut faire la porte, éviter les spawns de monstres. Ça m'a l'air apparemment continuer par là. Pas des monstres, mais ça va continuer quand même. Alors... Excusez-moi, je parle pas en plus apparemment. Donc en fait la lumière c'était simplement la lumière du jour. Ah oui, parce que la nuit vient de tomber. Donc c'est plutôt que je ne sais pas la écoutez, je pense que près d'un tronçon, ce n'est pas si dangereux que ça. Donc j'ai mon loupon protégé. J'ai essayé de dégager les ventres de ce fameux jungle. Je vois que je fais un trou de cette vidéo. C'est ça, tu l'as pas de fun. Quand il joue, on ne sert pas, je vais faire ce que le bouton de mon autrement. Je vais vous expliquer donc les règles des différents donjons. Donc c'est simple, la cage, il y a une cage à spawn au milieu que j'aurai l'occasion de vous montrer. Si vous êtes à moins de 16 cases de ce fameux donjon, enfin de cette fameuse cage, la cage à spawn s'active et vous faites spawner des monstres. Tout simplement. Donc il faut être à 16 cases. Il faut être à 16 cases d'une cage à spawn pour qu'elle donne des monstres. La règle simple. La cage à mob. Je ne sais pas si c'est encore valable à la version 7. Parce que selon les versions, ça peut changer. Mais comme je vais vous dire tout à l'heure, une fois que je verrai la cage à spawn, sur la cage à spawn, en fait, si tu veux, donc une cage à spawn, c'est une cage faite de bleu, transparent, enflammé, et au milieu de cette cage, il y a une version miniature du monstre ou de l'animal. Que la cage à spawn, que la cage à monstre spawn. Donc là, dans la cage en question,
il y a une version miniature d'araignée qui tourne, et plus elle tourne vite, plus le prochain spawn arrivera. Donc je suis en train de creuser au fond du cul, histoire de l'isoler en fait. Il est hors de question de faire ça à la dynamite, de toute façon je n'ai pas de poudre à creeper. Voilà, donc vous voyez la moustonne. Alors la moustonne, très très beau pour faire vieillir les bâtiments, enfin pour donner un aspect vieillot au bâtiment. Ma tour à mob personnelle sur mon serveur, je sais pas si vous avez vu, elle est en moustone entièrement. Et les étages sont faits en stone simple. À un endroit et que je tombe dessus. De toute façon, vu que ce sont des araignées, il faudrait que ce soit ouvert sur deux de large. Il neige? Non. Il neige dans Minecraft? Je savais qu'il y avait de la pluie, mais de la neige? Je l'ignorais. Complètement. Alors là, j'avoue que je fais une découverte avec vous. Peut-être une version de la 1.7, parce que depuis la 1.6, je sais qu'il y a de la flotte. Donc voilà. Enfin, le jour s'arrête en fait. Bon, donc j'ai perdu un chien. Sniff. J'ai besoin de bois. Donc là, je vais chercher du bois. Et je vais essayer de repérer. Ah, en plus, ça m'a fait mal de mourir. Étant donné que j'ai ma boussole quand même. Et bon, je récupère un peu d'iron. Bon, j'ai pas grand chose d'important sur moi. Mais bon, quand même. Voilà, bon. Donc, je vous le dis, je vais couper la vidéo là, maintenant. Et ce que je vais faire, c'est. Bah, là-bas, je vois qu'il y en a. Je vais récupérer du bois. Beaucoup de bois. Et je vais m'aménager ici donc un petit pied-à-terre. Je retournerai comme prévu à mon point de spawn une fois que ce pied-à-terre sera fait. Donc toujours les mêmes choses, hein, une table de crafting, deux fours et deux coffres. Le strict minimum vital pour survivre dans Minecraft. Donc voilà. Je vais continuer également à délimiter ce fameux donjon que je viens de trouver, donc ce donjon à araignée. Voilà, très content. Si je veux continuer à faire de la vie, ça va pas le faire. En plus, il faudrait que je repère, que je fasse des balises. Vous connaissez les balises, hein. Bah, je vais en faire une. Possible. Donc je sais, normalement l'ascenseur ça se fait comme ça se fait pas. J'ai vu que j'ai un petit peu tout. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Les torches font fondre la neige. Je voulais vous dire.
voilà, donc je mets la blinde contre mon fessier. Je suis en mode sneak, hein, donc j'appuie sur la touche shift, hein, tout simplement. Pour éviter de tomber et de me faire très mal. De toute façon, même si je meurs, hein, ce sera pas très grave. Ouais. Après, je ferai certainement des panneaux. Donc j'aimerais que vous donniez un nom au chien qui est mort. Et je ferai une pancarte avec son nom. Et puis rest in peace. Donc repose en paix. Voilà. Qui s'est quand même sacrifié pour moi, en fait. J'oublierai pas ça. Très beau la neige. J'aime. Ouais, sincèrement. Là, je n'aime pas la neige, je n'aime pas tout ce qui est couleur blanche. Mais là, j'avoue, c'est magnifique. Oh! Est-ce que j'ai récupéré les yeux? Non, malheureusement. Il y a un autre chien là-haut. J'aurais bien aimé le récupérer. Donc je vais couper cette vidéo et je vais commencer à aller chercher du bois pour la prochaine fois, parce que là je dois commence à se faire assez tard chez moi et je ne peux pas continuer, désolé. Allez, donc je vous reprends plus tard.